petit insécurité. C'est confirmé. Odma, chef de gang, chef du gang Grand Griff, est exécuté donc par ses pairs et enterré. Dans la question insécurité dans le pays, il est clair que et tout pour nous connaître. Léon Charles, l'actuel directeur général de la police nationale d'Haïti, il va venir c'est là. Non, monsieur, vous avez un message. Ah non, on est clair. Monsieur, vous avez un message clair. Léon Charles, clair sous question. Lui-même, c'est travail, il vient de travailler. D'ailleurs, il faudrait que lui un binga à l'organisation de droits humains. Il dit, monsieur Damio, quitte le travail. D'ailleurs, ça, on connaît. Lui-même, il connaît tout. Côté au carré, lui-même, tout cela, il sorti. Donc, il est clair sous avec monsieur Dame, droits humains. Léon Charles. Il n'est pas venu rincer. Bien que travail Léon Charles là. En pile! Parce que le dossier kidnapping, bah, qui le est la police? Pour être capable d'avoir une solution, j'ai une solution avec la question kidnapping. Voilà, en pile. Question gagnant, je dis là. Il ne fait que commencer. Ok? Et matin, nous prenons hommage à Jacques Adair. Il y a des gens dans la police. Moi, même, c'est pour femme dans le directeur général qui prend investiture comme directeur départemental. C'est pour femme dans le directeur départemental qui prend investiture comme directeur départemental. Pendant investiture, il dit, mais ça va faire. Et quelques jours après, lui, il fait ça, le dit d'affaire. Et de fait, il y a un résultat. Je dis à base Grand Griff en difficulté. Je dois dire déjà, Naïm se mette à débat et. Sous question Odma, nous te battons toute précision. Nous te dit que Odma prend balle, mais comme il n'est pas à l'hôpital, ou qu'il attendait, nouvelle la molle, le plus vite possible. Et de fait, nous avons mis tout dans que nouvelle Odma vini et que Odma pratiquement donc quitté ça. On allait avec détail. Bien entendu, Jasmine va laisser un détail déjà, mais il y a d'autres détails que Brown, Paul Ghetto, Brown, comment nous La forme, nous avons salué tout super branché, matin débat, spécialement salutation à José et Bébé à tout. Nous connaissons Paul Ghetto lui-même, c'est ça le fait. Nous ne pouvons pas vous monter samedi à l'objet d'aplomb. Et nous avons dit grand public là tout. Et vendredi, nous avons parlé, nous avons expliqué que Rodma a 98% de chance pour mourir. Nous avons dit. Effectivement, de la soirée, à partir de 5h, Odma aller. Et aller Odma, c'est exécution même pour partisan. Exécution, bien, oui. Exécution. Pour partisan. Odma de l'autre côté, douleur est vraiment atroce. Il n'y a pas qu'à supporter. Et on a dit que le monde qui exécute Odma, c'est mon compère lui. C'est Lixon. Lixon qui exécute lui. Et on a pour un peu le monde douté de la mort Odma parce qu'il n'y a pas qu'à avoir photo. Nous parlons du grand public, mais ça qui passe. Nous connaissons la Tibonie, tout le monde connaît l'auteur principal, la gang principale là, c'est Oudma Kelly. Et à part de Oudma, nous connaissons Gélixon, Génotrop. Non, mais moi, photo, moi-même, moi, photo. Bon, ou même, vous avez gagné, c'est grand Timon, vous avez gagné. Mais Lixon n'a pas quitté photo Oudma publiée. Même côté exécuté Oudma, même côté fouet, tout est enterré. Et je dis tout que la mort Oudma n'est pas une solution dans la Tibonie. Et nous connaissons l'autre gang qui est en remplacé Odma. C'est clair. Et nous m'a dit que Lixon Kounia, c'est l'hôpital principal, premier chef gang dans le bal, ça vient. Nous trois vins deuxième, yo vins pour troisième, nek le Goliath. Information sur les paroles que tout le monde a dit, c'est nous qui avons info ça. Mais Goliath pas de mourir, non? Non, on l'autre qui est Goliath. Bon, l'autre Goliath, ok, c'est l'autre Goliath. Ok. Ça veut dire qu'en un mot, problème qui gagne en dedans, faut que la population quitte la police de travail pour ne pas gagner plus de corps, plus de monde de mourir. Donc c'est Goliath qui remplace Odma? Non, pas vrai, c'est Lixon qui remplace Odma. Lixon remplace Odma, yeah. Nous venons en deuxième et puis Goliath vient en troisième. En troisième, oui. Très bien. On y a là, hier, monsieur au baron d'administration, monsieur Savien, et monsieur Bazgazou, qui va pouvoir pour un monde, c'est pour selon moule qui va passer le Jean Rachel. Je ne sais pas ça. Et beaucoup aimé ça. Ça qui passe là. Je m'en bouille le barreau. Et là, je me montre que monsieur là, il est prêt pour le gourmet. Et ça fait un appel des populations et la tibonicienne là,
quitter la police fait travail. Parce donc monsieur, non... monsieur Savio pour moun hier soir, c'est ça? Yeah. Oui, et moulin ou moulin. Qui moun yo, qui moun lié? On moun ga, moun... moun nan bas si mépris yo. On moun nan bas si mépris, très bien. Okay. Oui. Et n'a pas de tout travail, son travail fait, un gros travail qui va faire dans la Tibonite là. Au moins nous pas de moun à tirer moun comme ça encore. Très bien. Il faut quitter la police, yon social pour faire travail, pour l'arrêter moun. Au moins moun qui pour aller à la justice, ça pour libérer, ça libérer. Très bien. Bon. Et dans ce moment-là, monsieur, là, faut que la population, la tribune de notre civile, parce que monsieur, pendant que je vais mourir, il y a un pile de monde. Oui, parce que là-bas, il y a un là. Pas un jet. Il va plus là. Lui-même, on est en colère. Mais seul monde qui quitter le travail, quitter le directeur départemental à Tibonite, dans fait travail. Très bien. Très bien. Et dans le moment ça que je dis, la Tibonite a toujours dit très dangereux parce que monsieur, voulait révolter pour l'autre bas. Très bien. Ok, merci en pile. Et bon, ok. Alors, pas oublier que, on m'a dit très important que bon dit là. Madame, monsieur, vous connaissez, matin débat, nous-mêmes, c'est l'information. Pas une diversion dans la question, Oudma. Oudma Moui, c'est fini. Alors, dans notre version des faits, je t'ai raconté que monsieur t'a coupé, peut-être monsieur t'a enterré corps en côté, et puis peut-être là, il y a la belle en côté. Ça, c'est la version. Détail. Ok? Mais pas une diversion dans la question, Oudma, que monsieur Alcindor. Mais là, on s'en, monsieur Moui, c'est fini. Ok, donc Bas Grand Griff prend coup. Dans ce moment-là, Bas Grand Griff en difficulté. Et monsieur Kampé mine, yo pas couru, il n'y a pas fait bac, il campé pour goumer. On s'en parle bail. Il y a deux bails qui va passer dans le pays. Qui va passer dans le pays? Pas oublier Anel Joseph. Territoire Anel Joseph, c'était Villa de Dieu. Vigne Bolem dans Villa de Dieu, Anel Joseph traversé la Kaili dans la Tibonite. Et tout le monde qui est avec lui au village de Dieu traverse avec lui dans la Tibonite. Nous sommes paniqués que Anel Joseph a commencé à bailler dans la Tibonite. Et chaque fois la police attaque Anel, il y a des gens qui sortent de Port-au-Prince, que ce soit Grand Avenue ou Village de Dieu, qui a renforcé Anel dans la Tibonite. Ce n'est pas oublié. Il y a ce qu'on appelle la fédération des gangs. Il y a des gens qui ont peut-être pensé à pour un jouet. Qui prend pour un jouet. Ouais. Comme si fédération, fédéré. Il n'y a pas un jouet. Ok? Et pas oublier Oudma. Monsieur Genève, il a approché Oudma. Il était considéré Oudma comme Yon Neyo. Mm-hmm. Comme un des leurs. L'homme Oudma fait au mal en pile. Et je dis à Oudma, il connaît demain matin quand même, il y a eu même. Mais tu dis ça déjà dans le matin débat. Vous pensez que vous allez passer comme ça? Et puis, juste quitter la police, vient faire ça, il y a pour le faire. Non, il y a campé Goumé. Le problème nous fait commencer, madame, monsieur. Et Oudma, regardez, c'est une équipe bien organisée. C'est moi comme si comme ça, non? Il y a rapporté que Oudma, c'est lui-même qui était plus cool, oui, non? C'est monsieur, justement. C'est monsieur qui était plus cool. C'est monsieur qui était plus cool. Hein? Ok? C'est monsieur qui était plus sage. Parce que l'autre d'Aguio qui vient après monsieur, c'est des criminels. Les gens pas jouer. Et me songe député Futchéri. Il était prend député Futchéri. La raconté et rentré dans tout. La rive dans bas ça vient. Autre m'a fini, autre m'a parlé avec elle. Mais c'est pas ça le problème là, dis-moi le problème va commencer. C'est le général là vini. Et puis général là même dans grand dame, monsieur dit monsieur c'est après nous aller c'est $20,000 américains sur table là et ou une temps pour faire ça rapide. Et puis nego pour Futchéri, yo viré à monsieur Bader. Il a montré monsieur force qui gagne dans le cadavre. Et puis parmi cadavres qui étaient dans force là, gagnon qui peut qu'on fin bouler. Et puis le monde cap gigoter. Et puis nego dit monsieur c'est l'ordre aller. Et puis retourner à monsieur. Donc ils font un jeu psychologique sur monsieur. Mais dis-moi le problème moi c'est pas prendre non non. C'est l'homme qui vient devant toi, m'a regardé moun ça qui pas qu'on fin mourir vraiment. Et puis cap mourir dans du feu amen. Donc n'est pas joué. Je veux dire que jodi en faut nous faire très attention et la police nationale d'Haïti. Nous pas qu'à faire bac là non. Parce que m'a pas menti, si la police fait bac eh ben tout le monde va mourir dans la Tibonite parce que m'a pas menti. Si qu'on y a la police a fait un bac et que monsieur Savio t'a investi route national là, yo bon moun, n'importe pour nous pas retrouver lui. Parce que yo bon coup. Parce que Oudma a mouri
et kou Odma fait au mal en pile. Et ou pas loin, gide nèg la dans gang Port-au-Prince qui va rejoindre l'équipe là dans la Tibonite pour venger Odma. Donc c'est ou ma équipe ici là. Ok, question que sur Odma, nèg ap dou diversion, la Saint-Domingue. Pas gen ba konsa, pa diversion nan question Odma. Monsieur Mouri pour moi. Monsieur Mouri, c'est très. Parce que ça m'a tenu pas confirmé information ça. Pas un doute là dedans parce que moi gen nèg a fait. Mais la question c'est ça. Pourquoi les journalistes, pourquoi ils sont travaillés? T'as des courses, monsieur. Qu'est-ce que c'est comme si. Bon, comme moi, je ne sais pas. Alors, attendez, le coup des idées dit. Bon, comme on connaît deux mots pour ça tout. Ok? Nous, on a déjà. Mais vraiment, il n'y a pas d'obtenir dans le pays. Ou aider un cap dit à Boucho. En tout cas, voilà une grosse personnalité donc, du secteur de l'opposition, madame, monsieur. L'alphine d'un des sénateurs Joseph Lambert sur Radio Métropole. Et les hymnes le connaissent. Pour ça qu'on est de Lambert comme sénateur Lambert, il pensait que sénateur Lambert tapis agressif sur la question de Joseph de Jovenel Moïse. Parce que l'alphine d'un des sénateurs Lambert. Ils comprennent que Lambert, c'est un Lambert Chotillon qui tombe porte ouverte pour le président Jovenel Moïse. Parce que il était attaché à ça de dire avant, il était cohérent qui c'est un accord politique. Maintenant, la question, le sénateur Lambert te dit dans l'interview ça dans la métropole, il n'attend que des félicitations du président Jovenel Moïse. Ça sont gros barres. Maintenant, qu'on question hier soir, pendant que tu abordes des questions avec des amis. Alors, les amis ont dit, bien entendu à tout, est-ce que Jovenel Moïse t'a présenté félicitations à Sildo? Les FN? Non, est-ce que, je ne connais. Alors, si tu as une question, c'est que Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse t'a présenté félicitations à Sildo, voyez tout là pour nous. Oui. Maintenant, si le président Jovenel Moïse pas présente des félicitations à Sildo, il ne doit pas présenter félicitations donc, au président Joseph Lambert. Bien que Sildo a son poule mouillé, il n'a pas même acabit, même charisme que le sénateur Joseph Lambert. Sildo ne doit pas attaché à félicitations, il ne doit pas comprendre ça dans le dit. Non, ben voilà, bon gars, ils sont nègres. Mon président, ma m'a dit, pas de monde qui tout le monde. Et puis, c'est. Voilà. Mais qu'on y a. Voilà. C'est ce que son monde qui a fait politique. Il ne doit pas comprendre ça dans le dit. Oui, c'est ça. Ok, être félicité par un président de la République après une élection dans le bureau, donc au niveau du Sénat. Même si c'est ça qui était. Mais le sénateur Joseph Lambert, il n'attend que des félicitations du président Jovenel Moïse. Et le sénateur Lambert, malgré que Jovenel Moïse, comme président de la République, révoqué, il y a un monde qui a été recommandé dans l'État, dans la tête au FNAC. Il n'aime pas la moune, non? Il dit, Mlouko? Lambert, sénateur Lambert, pas voulu faire la guerre avec le président Jovenel Moïse. Le sénateur Lambert veut la paix, veut faire la paix avec le président Jovenel Moïse. Et ceci dans l'intérêt du pays. Et le sénateur Lambert, clairement, lui était attaché à un accord politique. On a même posé des questions. La personne a eu à me dire, et permettez-la toute. Dis, monsieur, l'on parle d'un accord politique. À qui ça? Et là, madame, monsieur, c'est très important. Il s'en a pas de matin, il s'en a pas de débat. Nous-mêmes, qui sommes jeunes gars, sont dans le ghetto. Tendez bien ça, petit matin, il s'en a pas de débat. Son accord politique seulement qu'à retenir là. Maintenant, on pose ces questions. Il y a un accord politique. Qui parle de qui ça? Qui va mener vers qui ça? Ils disent le coup de toutes les façons, un accord politique. C'est avec Jovenel Moïse pour nous faire un accord politique là. Parce que c'est lui qui est donc le président. Mm-hmm. Je dis, ok. Maintenant, si c'est avec Jovenel Moïse pour nous faire un accord politique là, après, qu'on mène nous donc vers 7 février 2021, déjà dit que. Tout ça, Jovenel Moïse, comme président qui est sous table là, nous pouvons peut-être reconsidérer quelques là-dedans, mais c'est comme ça tout, quelques là-dedans, la bobiche d'accord. Ils disent oui. Ils disent, je dis, il y a un accord politique
mais ça le camène me dit moi mande la question me dit que yo encore politique ça le camène me dit comment ça le camène nous pour président journal Moïse directé jusqu'en 2022 donc c'est accord politique ça qui a fait que le rester jusqu'en 2022 mais un accord politique là tout il va demander pour reviser la question électorale, les questions électorales. Oui, question. D'abord question, le calendrier. Calendrier, conseil, la même. Parce que même moi, il y a okay. Des calendriers. Et c'est accord politique qui va valider le conseil là, même s'il n'est pas passé devant la cour de cassation. Et il dit tout que, accord là, pour permettre tout que, cour de cassation, pour comprendre, il y a un minimum de communication, un minimum de consensus. Et que le juge, par loi, il n'y a pas obligé de valider. Donc, le conseil électoral provisoire. Il dit oui, mais pas de problème, mais et sur la question de la constitution et des élections. Il dit non, Louko, constitution, tout le monde d'accord dans le fond pour un changement de constitution, mais c'est de la forme. C'est je, forme non. Jean président, initié question de constitution qui fait que je dis ouais, il a questionné question de constitution. Donc, il dit que tout le monde d'accord pour un changement de constitution, mais c'est la forme. Il dit élection. Il dit non. Élection qui doit pas faire 19 septembre, genre que le président comprend le conseil électoral provisoire là. Mais élection quand même l'a commencé. Dans l'année 2021, pour le finir en 2020. Ça veut dire que l'élection a commencé pour le finir en 2022. Donc élection qui a commencé en novembre 2021 et puis il finit en 2022. Et puis il me dit 2022, ça va pas passer. Il dit bon, 2022, le 7 février, si l'élection pas finie, nous parlons dans une transition. Et le président Jovenel Moïse partira. Comment on a fait ouais, 2022 nous aller, il fait toute analyse pour le côté 2022. Nous allons notre transition et il va voir le final là. Ok, mais bah, non, ouais. Non, mais c'est là parce que me dit que. me dit ça, me dit que. Comment ça? Ah, oui. Nous, écoutez, moi-même, c'est une opposition mieux. Une opposition mieux. Et je dis là. Nous pas qu'à pas un accord politique. Et depuis là, nous avons un accord politique, ça va être Jovenel Moïse pour gagner quoi. Donc, ça va nous faire mon petit bac qui m'a été là tout. Même si je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ok. Pas d'accord avec l'analyse. Ça va nous faire mon petit bac qui m'a été là tout. Mais je comprends que, même au niveau de l'opposition, je connais que cette février qui ne va pas se faire. Il ne doit pas arriver. Attendez bien, madame, monsieur. Même au niveau de l'opposition, ils comprennent que il ne doit pas arriver. Mettez assez de monde dehors par les manifestations. Forcez Jovenel Moïse qui était pouvoir 7 février 2021. Donc maintenant là, son accord politique. Maintenant la question aujourd'hui. Je vous dis la paix matin à tout. Pour qui ça? Mouna ouais, une transition après 2022. Alors, madame, monsieur, moi-même, ça me comprend tout bien maintenant. Tout ça qui explique, c'est ça qui est sous table. En décembre 2019, c'est le nonce apostolique. C'est ça qui est sous table. Ok, maintenant la question est-ce que le président Jovenel Moïse, aujourd'hui, n'a pas de force qui est là pour considérer Lambert comme un pion gênant qui parle obligé de négocier avec lui pour mener le pays à donc vers un accord politique. Ou bien est-ce que je dis le président Jovenel Moïse a avancé, il choisit son premier ministre qu'on y a qui parle, attendez bien, il choisit son premier ministre qui parle chercher à quoi? Est-ce que vous pouvez m'entendre à tout? Ok? Est-ce que le président choisit son premier ministre qui parle de l'opposition qui est neutre, qui parle chercher à quoi? Gros délicatesse dans la question sénateur Joseph Lambert. Et m'espérer, moun qui fait partie de bureau politique, sénateur Joseph Lambert, tendez ça m'a dit matin. Gros question qui a vu tout à blanc à chaque fois que sénateur Lambert qui est pour intervenir dans la radio. Question c'est que. Et quelques journalistes là a toujours demandé sénateur Lambert. Côté LTE,
le président Jovenel Moïse t'a pris tout décret ça et on croit que Josué font le temps de faire débat sur lui. Et c'est Nathan Lambert qui pour répondre à question ça maintenant tout. Parce que il était sénateur de la République, il était fait partie en fait de Kora. De Kora de Tissène à Créteil. Décret au brin. Arrêté au brin. Sénateur Lambert, pas de me dit rien. Il parle pipi mot. Mais sauf que le débat est dans ma télébat, il te dit que je dis, son accord politique qui vous mettez pays à dehors dans sa liée. Sorti pays dans la crise que l'IA. Sénateur Lambert qui pour répondre à une question ça. Mais qu'on l'autre délicatesse encore. Jovenel Moïse, c'est encore le président de la République. Et sénateur qui l'a aussi des sénateurs. Perste grand parti et allié. Si je dis à les sénateurs composant le bureau, ils décident de démissionner. Et maintenant tout. Yes. Ils décident de démissionner. Les sénateurs composant le bureau. Un bureau casé. Et tout ça, Jovenel Moïse qui a il a sous ça tout, oui. Comme président de la République. Un bureau accrasé. Alors, c'est bureau accrasé par l'élection. Est-ce qu'il y a ça même? Non, il a paralysé. Non, mais attendez. Il a paralysé. C'est position sénatoriale, madame Gadelaï. Mm-hmm. Et qui joue que le président Jovenel Moïse qui a joué tout. Jovenel Moïse comme président de la République. Il y a venu en tant que sénateur qui fait partie de bureau. Yo, mm-hmm. Et puis bureau accrasé. Il a démissionné. Qui sénateur? Qui sénateur? Non, mais regardez qui sénateur? Kedler et Fétien Gasson Elva. Mais ça, on a juste accepté, il y a tout politiquement. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Déjà, il y a un petit problème. Il y a parlé. Le reste, en pile sénateur, comme si qu'il a. Mais à accepter, non, bagaille ça là. C'est fou au tout, gros midi, retraite à tout politiquement. Et vous avez parlé. Qui ça? Ok. Oh, dis-moi. Attendez, madame, monsieur. Maintenant, si vous avez gazé, élection va le faire. Et si l'élection va le faire, il n'est pas évident. Il dit là, c'est pas l'ambec qui me réside encore. Ah, c'est ça, on a quatre figures. Règlement intérieur, c'est là, je le dis. C'est règlement intérieur, c'est là, je le dis. C'est quand vous avez mouru pour diffuser. Vous m'avez dit. Comme de garder les gens. Bon, le dernier bagage qui t'est arrivé pour mon ta considérer. Monsieur, mais c'est le dernier green bagage là. De façon. Oh! Comme si. Nous t'avons pas. Oui. Monsieur, oui. C'est la forme humaine seulement. De toute façon, nous sommes en politique. Ah. D'après, mettons des arguments de la baille. Oui, mais il y a moral. Pour démissionner du bureau. Et bien, démissionner comme sénateur, non? Non, faut tout faire comme sénateur tout. On laisse au fait prêt. Un président élu. Alors, yon bureau monté à quasi l'unanimité. Parce que c'était un seul abstention payée. Presque à l'unanimité. Oui. Alors. C'est Denis Gado qui va voter. Qui votait peut-être pas. Il votait pour. Ok. Et puis je dis à la Oudim. S'il doit pas là. Et puis Oudim qui ça? Ou dit que me démissionner parce que qui ça? Parce que l'élection va faire devant ou bien parce que t'es une fraude ou bien parce que laisse me déboîter me dessous ou bien parce que qui ça? Politique pas accepter n'importe bagarre. Mais c'est le choix de cette dernière maintenant. Et de quoi moralité à même? Et pas n'importe côté ou elle parle de jeu d'intérêt. Alors c'est pour monter une guichet que je dis là. Bataille qui est avec sénateur Lambert avec le président Jovenel Moïse là. Ça sonne l'autre bataille. Comme Joseph Lambert, c'est pour la paix que là, comme sénateur de la République. Maintenant, est-ce que Jovenel Moïse lui-même lui pour la paix tout? Parce que connaissez Jovenel Moïse comme Tina qui sorti en dehors, qui est très rancunier. Lui-même, c'est la guerre, c'est de la guerre seulement. Non, mais qu'on y a là tout. Il y a encore politique, lui bon pour le président Jovenel Moïse, oui, là tout. Je ne sais pas, chacun son million de dollars américains, il va démissionner. Qui est-ce qu'il va faire ça? Pour t'a dit, bon, ouais, bah, ça crée le Sénat. Bon, si je dis, attendez. Bon, si je dis, bah, au chat. Attendez, c'est pas démissionné. Et si tu sors, papa, non. C'est pas démissionné comme sénateur. Le plus grave, oui. Démissionné du bureau. Le plus grave, ouais. Démissionné comme sénateur, moun de ka plus comprenne ça.
mais démissionner de bureau là. Alors que l'élection se fait là, c'est où que levez mon lait, ou pas de sous. 44 000 dollars. Ou pas de sous. Ou Jacques Deg. Ou t'en ou pas de sous. Y'a pas de marre mon, y'a pas de gézam dans la tête. Ou c'est sénateur de la République. Et puis, ou décide de voter. Y'a voté en bureau mouté pour qu'on y a là parce qu'on président mandou démissionner ou démissionner. Jovenel Moïse pas pour la paix. C'est si Jovenel Moïse pas pour la paix. Sénateur Joseph Flaubert pour la paix. Et si président Jovenel Moïse pas pour la paix, c'est pour la guerre. Tout bas est possible. Tout bas est possible. Ok? Mais cependant, j'en dis là. Nous tous allons dire là, y'a deux mouns. Peut-être. Qui te peut-être une explication pour moi. C'est le sénateur Kedley Augustin. Parce que jusqu'à présent, ça crivait le sénateur Kedley Augustin dans Delma et 75 ans, en fait, public. Mm-hmm. Il mettait sous le pouvoir. Il était clair. Ok, il mettait sous le pouvoir parce que les propositions. Oui, mais conversion de okay. Tout, c'est pouvoir qui permet M. Alakaili. Oui, oui, bon, il mettait sous le pouvoir. Maintenant, on a qui fait un bon bâton et puis qu'on a pu passer petit comme dans la bouche et puis qu'on a pu démissionner. Bon, avec sénateur Gassan Elva. Parce que madame, monsieur, bon j'ai là. Eu une conversation téléphonique avec le sénateur Gassan Elva ce matin. Information. Le sénateur Gassan Elva se sent menacé. Là, me dit, ça qui passe. Je dis, nous connaissons. Je ne me sens pas en sécurité. Le sénateur, on fait une interview, il dit, ah, Louko, c'est moi qui parle à vous. Il ne se sent pas en sécurité. Il dit, ça qui passe, sénateur Gassan Elva. Il dit, pour vote la même pour l'élection, sénateur Lambert. Président Jovenel Moïse, il est le téléphone. Pour le supporter sénateur Lambert, que pas de vle. Parce que il est différent avec le président Jovenel Moïse qui n'est pas réglé. Il dit, où son jeune ils sont en train de me dire que il est en opposition. Et il te trouvait que, je dis, comment il n'est pas capable de rester non logique pour la supporter notre candidat qui c'est Denis Kado. Pour le président Jovenel Moïse, qui va prendre au bon rien. Denis Kado, qui département? NIP. Elle te dit, président, pas de bagarre comme ça. Allez, sa pièce. Il dit, président, il est le quoi? Il dit, président, négatif. Il va pas garanti. Et puis, vote à passer, j'en passe. Hein? Et le président, vous dit, Gassan Elva, désormais, lit en face, lit. Parole ça, son parole vérité. En face. Moi, tremblé, le sénateur Gassan Elva m'a confié tout ça au téléphone ce matin, madame, monsieur. Président Jovenel Moïse dit que l'en face lit. Du sénateur Gassan Elva, son gars dit, son gars dit, nous connaissons, c'est moi qui parle au téléphone, donc c'est matin débat que je relais. Il voit plusieurs voix, tout, il dit, voix, et bien, il est privé, il n'est pas personnel. Et il a donc l'intention d'attaquer en justice, ou du moins, de porter plainte en justice. Ça, c'est une blague. Contre le président Jovenel Moïse. Il va blague, non? Le valet plainte qui peut dire, qui ça que j'aime faire. Non, mais il va blague. Il n'y a pas de blague ici. Non, même si. Le sénateur Gassan Elva a donc l'intention de porter plainte à la justice. C'est président, c'est sénateur. Contre le sénateur et contre le président. Mais maintenant, qui ça comme président? Louko, moi, je m'en vais. Bon, je accepte, c'est vrai. Et j'ai intérêt pour m'accepter, c'est vrai. Parce que, vu, je suis passé avec Gassan. Je vais appeler un président, c'est pas un bagage. J'aimerais mon apprendre, c'est un président. Moun parle à président. Ouais. Lorsqu'on président parle, et si c'est à vrai, puisque nous devons faire confiance à Gassia, non, mais président de la République, président de la République, relo, il dit ça, Louko, problème à peine commence. Je vais parler plus loin maintenant tout. Moi, je dis sénateur Gassia Delva, ou pas peur, moun qui en face pouvoir, en face Jovenel Moïse, comme président de la République, puis on dit, c'est parce qu'au courant que président Jovenel Moïse compte
touye moun, qu'on attaque moun, qu'on exécute moun, qui fait que Jodi a prend position, ou elle en moi, ou mette tout moun au courant que président Jovenel Moïse dit que ou en face li, ou peur pour le pas tout yo, mais pour le pas faire tout yo, elles sont pas peur pour moun dit ça. Le sénateur Gaston Lenoir a eu à me dire, I don't care de ça moun a pensé, de ça moun bal dit. De liba qu'on est qu'on fait liba pas opiner sur ça mon a dit sur ça mon bral dit pour mon trouver maintenant tout et que les déterminer je dis ah mais grâce à le bagage je balle encore non bon côté un problème non mais écoutez monsieur côté madame monsieur n'a pas le tout bagage ici n'a prend comme si ma son président de la république qui doit li en face ou en face au président. Au président de la République, c'est lui-même qui est responsable de nous toute la rue. Oui, oui. Bon, ou qu'a toujours donc, dit. Donc, les gars, toujours dit. Les gars, c'est du pouvoir. Écoutez, non, qui gars, seulement pour faire plaisir parce que. Le président. Voilà. Et puis, en tant que président. Voilà. Écoutez, au président de la République, m'a répété. C'est grave. Bon, on a toujours considéré esprit visible et invisible. Bon, chaque monde a considéré à faire pareil. Mais m'a parlé de faire du président de la République. S'il dou ça, eh ben, ou mettre sous tes cas qui te paye, à même moment qui te paye. Non, mais actuellement, c'est la République Dominicaine. Je comprends. Ok, donc maintenant, je parle avec lui, donc de la République Dominicaine étant. Donc, c'est la République en Haïti actuellement. Je parle. Il est pour exil. Non, ou pas comprendre, monsieur. Ou pas cap. Ouais, face à con président de la République, et ou bien il doit pas content à con bagaille, ou bien il n'est pas content à con bagaille. Mais s'il arrive jusque là, un président de la République, qu'est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le dossier, ça nous en a parlé tout à l'heure. Si bah, elle arrive là, Gassan Elva ne doit pas capable de faire volte face là. Ok? Dans la logique de bataille qui gagne entre le président Jovenel Moïse et le sénateur Joseph Lambert. Dans ça nous a parlé tout à l'heure, madame, monsieur. Savoir que Jovenel Moïse, comme président, il a manipulé donc l'autre trois sénateurs, ou du moins c'est. Et approcher donc dans cas d'intérêt et puis peut être démissionner de bureau ça pas marcher dans dossier gassa ça pas marcher mais seul bagage moi comprendre vraiment comme c'est président arrivé jusque là avec Gracia ou pas dans l'autre bagage pour faire sous gon chance non titan coûte ou ka quitter pays ou quitter monsieur dehors non mais sous gon ti chance tout coûte ou ka gagner quitter pays donc parce que il est de son intérêt pour porter plainte la justice contre le président Jovenel Moïse. Louko, c'est pas président vraiment deal. C'est pas président vraiment. Parce que je ne sais pas comment un président de la République arrive dans notre situation pour le bon problème à tout pour le dire, pour le répéter, moi ça. Eh bien, je suis baron. C'est pas une fois pour être égo. Et pas pour faire ça, pas pour faire dans l'histoire. Que le sénateur pour être le président. Non, attendez, dans la justice. En Haïti, c'est un problème. Non, mais pour comme c'était une conversation privée. Comme c'était une conversation privée que vous avez gagné. Non, mais autorisez mon balai de Zamadé. Oui. Ok. Mais. Monsieur et. En privé, mon président. En privé, mon président. Non, c'est. Ce dernier, c'est Gonigui et Zaba ou vous étiez égo, oui. Oui, mais ça veut dire. On parle de président de la République. Ça veut dire nous menacer, ça veut dire la grave, ça veut dire pays. C'est clair. Les finis, nous. Parce que, attendez, moi face ou bien, nous pas monter même cheval encore. Parce que, pas oublier, c'est sénateur pouvoir. Quand il y a un problème, et bien, il n'y a pas marché même gens encore. Ou du moins, il y a des balles qui ne sont pas respectés. Mais c'est même Mounio, c'est sénateur pouvoir qui a des problèmes avec le pouvoir. Et c'est dans ce sens-là, ouais, on est en fait, on monte à de Joseph, qui s'est visé les de l'arrondissement de Saline, il a dit Jobli. Parce que c'est c'est puis petit bagay qui est arrivé. Que ils ont révoqué le vice délégué. Maintenant, pour menace. Alors, pour ta grande discussion jusqu'à ce que pour le sénateur, tu as senti que ville en sécurité par rapport à qui ont déclaration du ministre, par rapport à qui ont menace que le président a fait, c'est grave. Mais c'est pareil, ça, c'est le dernier niveau. Dernier niveau. Si on préside, je parle de président de la République, parce que ça, c'est un personnage qui mérite respect
respect total capital. Sourire non niveau comme ça. On président tout ça il bon dernière chance. Son dernier chance li ba ou louko pour retirer corps. Moi c'est ça. Bon, en tout cas. Donc ce dossier donc n'a suivre qui était ouvert donc dans émission matin débat. Et moi c'est que donc Gaston Delva, sénateur Gaston Delva donc à n'importe quel moment capable d'intervenir dans émission matin débat donc sous sujet ça. OK.